أعزائي التلاميذ أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد سيخصص إن شاء الله لتصحيح الامتحان الجهوي لأكاديمية بن ملال خنيفة لسنة 2023 كما كان متوقع كان الامتحان بطبيعة الحال يهم لو ديرني جور كونداني كنا متوقعين إلا أنه لو تاكس يا سيدي كنا متوقعين يكون لو شابيتر 9 ولكن طاح لو شابيتر 6 ما عليهش المهم حنا دائما في اطار لو ديرني جو د كون داني وتحيه لجميع تلاميذ اكاديميه بنمله الخنيفرى ونسالوا الله الله لكم التوفيق على بركه الله نبداو النص دونك ليكزام ريجونال بنمله الخنيفرى 2023 voila le texte Et puis, ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile. Ce journal de mes souffrances, heure par heure, minute par minute, supplice par supplice, si j'ai la force de le mener jusqu'au moment où il me sera physiquement impossible de continuer, cette histoire nécessairement inachevée, mais aussi complète que possible de mes sensations, ne portera-t-elle pas point avec elle un grand et profond enseignement N'y aura-t-il pas dans ce procès verbal de la pensée agonisante, dans cette progression toujours croissante de douleur, dans cette espèce d'autopsie intellectuelle d'un condamné, plus d'une leçon pour ceux qui condamnent. Peut-être cette lecture leur rendra-t-elle la main moins légère quand il s'agira quelque autrefois de jeter une tête qui pense, une tête qui pense, une tête d'homme, dans ce qu'il appelle la balance de la justice. Peut-être n'ont-ils jamais réfléchi les malheureux à cette lente succession de tortures que renferme la formule expéditive d'un arrêt de mort. Se sent-il jamais seulement arrêté à cette idée poignante que dans l'homme qu'il retranche, il y a une intelligence, une intelligence qui avait compté sur la vie, une âme qui ne s'est point disposée pour la mort? Non, il ne voit dans tout cela que la chute verticale d'un couteau triangulaire et pense sans doute que pour le condamner, il n'y a rien avant, rien après. Ces feuilles les détromperont. Alors, détromper, il y a corriger l'erreur. Donc, détromper, il y a corriger l'erreur. Publier peut-être un jour, elles arrêteront quelques moments leur esprit sur les souffrances de l'esprit, car ce sont celles-là qui ne soupçonnent pas. Ils sont triomphants de pouvoir tuer sans presque faire souffrir le corps. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce que la douleur physique près de la douleur morale, horreur et pitié Des lois faites ainsi, un jour viendra et peut-être ces mémoires, derniers confidents d'un misérable, y auront-ils contribué et On passe aux questions de compréhension, bien sûr. Ces questions, c'est sur 10 points, évidemment. Alors, bien sûr, la première partie des questions, c'est contextualiser. Alors, première question, quelle est gros et compléter le tableau suivant? Donc, il y a un tableau que nous allons compléter. Alors, quel le nom de l'auteur? Vous le connaissez très bien, c'est Victor Hugo. Alors, vous avez l'œuvre dont est extrait ce texte. Bien sûr, c'est le dernier jour d'un condamné. Vous avez le genre littéraire, tout le monde le sait maintenant, c'est un roman à thèse. Et vous avez une autre œuvre du même auteur. Vous avez principalement les Misérables. Al Buessa. Question 2. d'après votre lecture de l'œuvre, répondez aux questions suivantes. Donc, ce sont des questions habituelles qui est le narrateur dans ce texte? bien sûr, vous le connaissez. c'est le narrateur est un condamné à mort. b, où se trouve-t-il? il est dans la prison de bicêtre. sur la question suivante, analyser donc pour six points. que décide le narrateur d'écrire? bien sûr, il décide d'écrire son journal intime, ou là, son journal de, des souffrances. Et b par cet écrit le narrateur cherche-t-il à inciter insister sur le bien-être du condamné ou la rendre compte de la douleur du condamné je crois que la réponse elle est très très claire c'est la deuxième rendre compte de la douleur du condamné mais si le bien-être ni le bien-être et uncide à l'arrière donc la bonne réponse c'est rendre compte de la douleur du condamné 4. Lisez et puis à ah, inachevé. Le narrateur avoue que son écrit sera forcément incomplet. Relevez dans le texte l'expression qui le montre, qui montre cette idée. Impossible de continuer. Qui me sera impossible de continuer Impossible de continuer. Il une expression. Cette idée met l'accent sur l'incapacité physique du narrateur ou la force physique du narrateur. L'incapacité, bien sûr. Réalité physiquement. Alors, 5, relever dans le texte deux mots ou expressions relatives au champ lexical de la souffrance qu'est une supplice ou qu'est une douleur. B. Quelle est la tonalité registre la tonalité dominante visée par l'emploi de ce champ lexical, est-ce pathétique, comique, ou lyrique, bien sûr, un champ lexical de la donc la tonalité il est pathétique. Tout le monde va la trouver très facilement. Même sur la question 6. Lisez le passage de peut-être n'ont-ils pas à une intelligence Quelque relevé, le mot par lequel le narrateur qualifie, c'est ceux qui le condamnent. Smahom les malheureux. Alors, B, quel que le narrateur porte-t-il un jugement favorable ou défavorable Bien sûr, c'est un jugement défavorable, les malheureux. Dans le texte, que désigne le narrateur par l'expression ceux qui condamnent Bien sûr, il désigne les juges. Ce qu'on a ceux qui condamnent, c'est les juges. Cette expression désigne-t-elle un sentiment de respect ou d'indignation C'est l'indignation. C'est un sentiment d'indignation, l'indignation ou la colère. 8. Lisez l'énoncé suivant Ce journal de mes souffrances, heure par heure, minute par minute, supplice par supplice. Galik la figure de style employée dans cet énoncé, wesh, la comparaison, la, Mkinch. Là le comparé, là le comparant, l'outil de comparaison. Ou ouais, est la personnification Elle là. Neuf chers, c'est qu'on le comparait ou qu'on le comparant d'aimant une personne rata. Donc c'est une gradation. La bonne réponse, c'est une gradation. B, quel effet recherché est par cette figure de style ouais, Ou est-ce exprimer l'indifférence ou l'absence de sensibilité Ou l'a euh, souligner le poids du temps et l'ampleur de la douleur. Alors, je crois que la bonne réponse est celle-ci. Souligner le poids du temps et l'ampleur de la douleur. Thème sur la question 9, donc là, ce sont des questions de euh, réagir. Et le narrateur espère que son texte contribuera à changer les procédures judiciaires. Les procédures judiciaires, lois et décisions de la justice, partagez-vous son espoir justifié. Alors, voilà une possible, une réponse possible. Mais qui est le dedans. il y a beaucoup de réponses. Alors, donc, à mon avis, le texte seul ne peut pas, ne peut pas contribuer à changer les procédures judiciaires. La preuve est qu'il a milité sur le plan politique. Quand il était parlementaire, mais en vain. B10. Dans cet extrait, le narrateur critique la cruauté et l'atrocité le de la guillotine. Qu'en pensez-vous Voilà une réponse possible. Personnellement, je trouve que la guillotine est une très mauvaise méthode d'exécution. C'est une invention démoniaque qui incite au meurtre et à la criminalité vous le sujet de production écrite, regardez, c'est un sujet original. Dans l'œuvre d'où est extrait ce texte, le narrateur affirme que la souffrance morale d'un condamné à mort, attente, angoisse, privation, est plus pénible, plus dure que la souffrance physique. Partagez-vous cette idée. Rédigez un texte dans lequel vous donnez votre point de vue. En l'appuyant par des arguments et des exemples pertinents. Donc, le monde a la bête, il y a la mouanette, la nefzia, ou la mouanette, la La souffrance morale est plus atroce que la souffrance physique. Nous avons donné des exemples de la boîte à merveille, nous avons donné des exemples de le dernier jour d'un condamné, nous avons donné des exemples de l'antigone. Et que lors de la correction de votre production écrite, il sera tenu compte des éléments suivants. Respect de la consigne, cohérence et structure de l'argumentation ou qualité de la langue. Voilà. Merci de votre attention. Et à la prochaine, donc dans une autre correction.